Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous continuons notre travail sur le cosinus d'un angle aigu et nous allons voir la dernière vidéo, c'est-à-dire comment calculer la longueur de l'hypoténuse. Je vous rappelle que nous avons vu le vocabulaire, nous avons vu l'utilisation de la calculatrice, comment calculer la mesure d'un angle avec le cosinus, comment calculer la longueur du côté adjacent avec le cosinus. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à voir comment calculer la longueur de l'hypoténuse avec le cosinus. Donc, j'ai l'exemple suivant, le triangle ELI et rectangle en L. Je connais la mesure de l'angle en E, je connais la longueur EL, et je cherche à calculer la longueur EI. Donc, si je me rappelle de la formule du cosinus, je vous rappelle, on a le droit de l'utiliser puisque le triangle est rectangle en L. Ce sera donc la première phrase à écrire d'ailleurs pour pouvoir justifier votre réponse. Si je regarde la formule, le cosinus de l'angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, première chose, il faut regarder de quel angle on parle. On parle de l'angle en E puisque c'est la mesure que nous connaissons. Donc, si je regarde cet angle en E, le côté que je connais qui fait 20, c'est le côté adjacent à cet angle puisqu'il touche l'angle et il touche l'angle droit. Et le côté que je cherche, c'est l'hypoténuse. Donc, je connais la mesure de l'angle, je connais son côté adjacent qui mesure 20 et je cherche la longueur de l'hypoténuse. Il va falloir donc utiliser le cosinus de l'angle en E. On commence la justification en précisant que le triangle est rectangle et donc on a le droit d'utiliser le cosinus. Donc le triangle est rectangle, on peut utiliser le cosinus et il va falloir écrire la formule du cosinus. Donc il faut identifier le côté adjacent à l'angle en E et l'hypoténuse. On a déjà vu que le côté adjacent à l'angle en E, c'est le côté EL et l'hypoténuse, c'est le côté EI. Donc on peut écrire la formule cosinus LEI, c'est égal à EL sur EI. Première chose à écrire, vous remarquez que pour l'instant la justification c'est exactement la même que lorsque l'on cherchait la longueur du côté adjacent. Ça va être très ressemblant ici dans cet exemple. Ensuite, je regarde les mesures que je connais, je vais remplacer dans ce que je viens d'écrire. L'angle LEI, il mesure 60, donc je vais remplacer LEI par 60 degrés. Le côté EI, je ne le connais pas, donc celui-là, je vais le laisser écrit EI. Par contre, EL, je peux mettre à la place 20, puisque je sais que ça mesure 20 cm. Donc j'obtiens cos 60 degrés égale 20 sur EI. Alors je cherche la longueur EI. Ben, je vais faire la même chose que pour la recherche du côté adjacent, c'est-à-dire que le cosinus de 60 degrés, c'est un nombre entre 0 et 1. Eh bien, je vais l'écrire sur 1. Et puis, il ne me reste plus qu'à calculer la longueur EI. J'ai une égalité de deux quotients, donc j'ai l'égalité des produits en croix. Je vais pouvoir l'utiliser pour calculer la longueur EI. Donc pour calculer EI, je vais faire 20 fois 1, ici, 20 fois 1, et je divise par cosinus 60 degrés. Je trouve que EI égale 40. Alors là, c'est une valeur exacte, donc je mets bien égal et pas environ égal. J'obtiens ici une valeur exacte. J'ai plus qu'à encadrer le résultat, et voilà, nous avons terminé, nous avons calculé la longueur de l'hypoténuse. Voilà, cette vidéo est terminée.